Intro lourde qui en dit long comme ma bite. Vidéo test de Call of Juarez Gunslinger. Lourdement. Donc je te disais qu'il y aurait à avoir de la chic, de la poudre, ce genre de merde. Bon bref. Donc voilà. C'est fini. Bon bref. Alors, j'ai testé un peu il y a pendant une heure environ. Et je vais tenter de faire un niveau que j'étais en train de faire avant de lancer la vidéo test. Et puis je me suis dit allez, il me reste un peu de temps, je vais le refaire en vidéo. Donc Call of Juarez, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Silas, un chasseur de primes, qui en 1900, je sais pas combien, retourne dans une ville dans laquelle il a été. Je spoil. Et en fait, il raconte, c'est un vieux du coup, il raconte sa life à des gens. À partir du moment où il raconte sa life, le jeu commence. Et on incarne ce type dans le passé. Et selon les interprétations qu'il fait, des fois en cours de jeu, les choses changent. Par exemple, t'es en train de marcher, en train de tuer des Apaches. Le mec dit, ah non, c'était pas des Apaches, non, c'était des cow-boys en mode Apache. Et là, ouh, les mecs, le truc s'arrête et tu reprends. Je vais pas. On va jouer pour voir un peu ce que ça donne. Continue. Hein. L'ambiance un peu BD. Mais c'est pas mal, hein. Donc je maîtrise pas encore le jeu à fond, hein, mais bon, on va voir ce que ça donne. L'ambiance est sympa. Les choses sont lourdes. Je suis dans le western. Je suis ce genre de montagne. Alors je sais pas si avec frappe ça va ralentir un peu. Je crois que si. Je vais baisser un peu le son. Parce que du coup on m'entend plus. Alors là en fait je viens de mourir. Enfin tout à l'heure quand j'essayais j'ai crevé. Mais on va voir ce que ça donne. Ouh c'est lent. Oh mon dieu, où je lag à mort. Oh la vache. Oh la vache. Bam. Excuse me, sir. I have a question. Voilà donc le délire. After old man Clinton died, les gens avec qui il discute, il l'interrompt et du coup l'histoire s'interrompt aussi. Bon. Je sais pas pourquoi c'est rouge, j'imagine que je peux faire quelque chose avec ça, mais j'ai pas encore trouvé quoi. Et pendant le jeu, en fait ça rame trop. Je vais recommencer. Bon, j'ai baissé la résolution, mais du coup j'ai l'impression que bon, les choses ne se passent pas comme je veux. on va voir si c'est pas trop lent. En plus j'ai l'impression que tout à l'heure la vidéo a coupé, mais comme une merde, de manière dégueulasse. Donc on va retenter le coup, on va voir si ça ne rame pas. Ah, c'est toujours pareil. C'est pas grave, je game. Attention, ils arrivent. Ouais, lourd. Donc là, le mec t'interrompt. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il faut lire vite, hein, parce que con comme un balai. Je sais absolument pas ce qu'il faut que je fasse, mais je le fais. Hein. Je vais peut-être crever dans pas longtemps, mais enfin. Ah, souvent, quand il y a des munitions, ça veut dire qu'il va y avoir des gunfights, comme on dit. C'est un peu le bordel quand même. Hein. Je sais pas où faut que j'aille, mais bon, j'y vais. Bon, après, c'est linéaire, hein, donc faut suivre simplement les. Alors je dis ça, mais tu vas voir, je vais me paumer. Ah, tiens. Ah non, c'est pas là. C'est un merde. Ah bah, je suis coincé. Bon, ça devient chiant. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je rame là. Alors bon, on recommence. Ils vont arriver. Allez. Bah. Ah, mais j'ai failli mourir, ce serait dommage.
What's that, Brian? Je recharge. After old man Clinton died, why didn't his son take over the Cowboys? Bon, sinon il y a une technique pour savoir ce que je dois faire ou où je dois aller. Je disais tout à l'heure que c'était linéaire, mais quand même, j'appuie sur O, hop, et ça monte, la petite étoile me montre le chemin. Donc je putain de recharge. Ah, en fait, fallait que j'aille là. Rien à voir avec tout à l'heure. Get to the lumber yard. Ouais, bon bah. Alors, on voit que ça rame grave. Oh putain! Ah, ça frappe ce lourd, hein! Où en étais-je? Pareil. Ah, ça ramait moins sur le Safari Simulator quand même. Ah, de la dynamite! Ça risque d'être lourd! Ah, mais je peux pas en prendre! Ah merde! Quoique. Ah! Lourd! Mais je crois que c'est pas pour maintenant. Donc là, regarde. Bam! Ça s'appelle la concentration. C'est ma petite jauge qui surcharge en haut à gauche. Là, tu vois le gun. Ah bah, tu vois, ça sert à rien. En même temps, il se cache bien. Hein, oh! Piercing shot. Ça ressemble un peu au jeu que j'avais vidéo testé il y a quelques temps. Je sais plus comment il s'appelle parce que j'ai une mémoire de poisson. Ou d'éléphant. Non, de poisson plutôt. Vous savez les mecs, bon, faut pas jouer à cache-cache avec eux quoi. Et moi je vise très bien, hein, comme tu peux le constater. Putain. Je pourrais, tu te dis, utiliser ma dynamite. Mais à quoi bon? Pour le délire, hein, pour le fun. Au revoir. Boum. Petit strike. Parce que si je veux, en fait... Je refais le stockman. Stock de dynamite, comme dans le cul de ta meuf. Oh putain, mais moi je lag autant que ce putain de jeu. Hey. Bon, dynamite ça. Je sais pas pourquoi j'en mets une là, rien à voir. Le truc qui sert à rien. Oh la vache. Mais je suis une merde. Tiens, toi je te bute. Encore un autre. Toi je te rebute. Ah, j'en ai pas vu qu'il y en avait là. Hop là, on fait le ménage mon garçon. Bah, oh, ça c'est lourd. Et alors ça c'est des petits secrets à prendre. C'est en fait sur l'histoire de l'Amérique dont on se fout littéralement. Et surtout que quand tu peux les lire, enfin, quand tu vas les lire. Oh merde! Ah non. Oh, je sais pas. Je pensais que ça avait bugué en fait, mais j'en sais rien. Et bref, quand tu vas les lire, ils sont en anglais. Donc si t'as pas fait anglais première langue, headshot dans sa gueule. Oula, mais lui. Bon, attends, je vais te montrer un peu ma panoplie de pistolets. Ah, il y en avait un là. C'est drôle. Ah. Bon, tu vois comme je suis bon, hein. Je me concentre, du coup je parle plus. Mais je suis en train de me coupapoiffériser. Parce que là j'avoue que je suis relativement mauvais. Ah, ça c'était une mauvaise idée. Parce que ça ne sert à rien, il n'y a personne. Le mec est bon. Bon, tu sais quoi? On va y aller à l'ancienne. Pas se faire chier la bite. Oula, quoi que quand même. Hein. Très bien de se mettre à couvert. Quoique là, c'était pas forcément une bonne idée. Eh les gars, dommage. Take the charge, but too far under the basket. Et par tous les cas de voix, je ne sais quel autre abri en puissance encore. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation.
Bon bah, j'ai fait le taf quand même. Et ça, ça sert à quoi? À rien. D'accord. Oh, ce ménage que j'ai fait. Putain, c'est monsieur propre. Monsieur propre chez les cow-boys. Alors, je te dirais bien... je te dirais bien quoi? Que je vais arrêter là? Ouais, allez, on arrête là, et puis j'en ferai une autre plus tard. Donc, petite la suite, quoi. Je voulais juste présenter les deux... ou trois, plutôt. Un, deux, trois. Type de jeu. Donc, story, bah... Hein, c'est mode carrière, on va dire. Arcade, t'arrives dans une map, entre guillemets. Entre guillemets. Et bah, tu shootes. Donc voilà, en mode bourrin. C'est histoire de faire des points. Des points. Et duel, bah voilà quoi. À chaque fois, en fait, c'est tous les boss de tous les niveaux que tu peux rencontrer en duel. C'est un peu chiant les duels en fait. Hein. Ça n'a pas grand intérêt, mais bon. Ça met de l'ambiance. Mais je vais t'en faire aucun. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le jeu au début dans un new game. Et je vais faire le premier niveau, qui est pas mal. Ah merde! Ça c'est con hein! Bon bah tant pis. Bon en fait j'ai trouvé une solution pour faire les niveaux. When he realized there was no getting out of there alive, so they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Putain de fort. Sends me to hang right along with the kid. En même temps je regarde les visiteurs. Donc en fait je vais faire le deuxième niveau. Qui est pas mal, mais c'est juste que j'aurais dû faire une connerie à la fin. Enfin, à la fin. Ah merde, je pourrais pas contrer le duel du coup. Ah bah si. Putain, le mec s'auto-sanctionne quoi. Je contredis tout seul. Je termine une crème dessert top budget. C'est le budget. C'est bien, c'est qu'en plus je te fais subir les temps de chargement. Oh, le frame rate était à 2. Ah non, c'est 20. Putain, c'est long. Comme ma bite. Et ma bite. Et ma bite. Mais c'est des malades. C'est des malades. Putain, mais vas-y, la charge-toi, connard. Oh la vache. Pourtant, j'ai baissé la résolution. Hein. C'est bien, on perd du temps. T'entends cette putain de conserve? Que je te fous sur la tête? Ah, quand même! Non, mais important to know that I was only riding with Billy so I could find the. Alors, ce niveau il est lourd, mais en même temps il. Ouais, bah vas-y. Donc là, en fait, Billy the Kid il était enfermé avec moi dans une autre cellule. Et Billy the Kid, bah il se casse. He was with John Kinney's gang. Donc là, c'est ce qu'il est en train de raconter. Là. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead. Donc là, j'attends les clés. Elles vont arriver de là, regarde. Je vous laisse parler, hein. Il fait le taf. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Ah. Merci, Billy. Billy's kid. My first order of business was finding a firearm. Yeah. Motherfuckers. Donc là il se passe rien en fait hein. Ah rien. Tout de suite là, il se passe rien. Là ils sont tous morts et là. Oh Billy's kid, motherfuckers. Ah non merde, d'abord il y a ça. La grosse carabine de Bob Olinger. Boulot de mort. Double canon. Comme dans les gangs. Putain, j'ai parlé comme Camaro. Donne-moi ton corps, bébé, ton bon bébé. Ah, c'est Billy the Kid.
Yeah, beat it. Another job. This move is terrible. Escape. So I did. Excité comme une puce. Anybody see Billy? Attention. Ah! Oh, ça c'est lourd, ma gueule. Oh, l'étoile jaune. Quand même, tu sais. Oh mon dieu. Oh, oh merde. Je me suis raté, ma gueule. Oh putain, je suis mort. Alors, on reprend. Oh, ça commence bien. Tiens, voilà. Ah, mais quel con. Sans déconner. Voilà. Voilà. Oh, c'est un peu le mode de bourre. Oh là, je monte à l'échelle cette fois-ci. Alors là, je sais plus trop où je dois aller, mais... Attends que je me souvienne, c'est lourd. C'est lourd. Ah. Quoi? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je me fais défoncer. Oh. Ah quoi. Et les trucs, ça apparaît comme par magie, tu sais. Oh là, oh, si j'allais trop loin, j'étais mort. Dites, je monte. Je monte ma couillasse. Ah, mais en fait, de là, je voulais... Je voulais sauter et mourir. Donc voilà, je me suis échappé. Alors par contre, c'est un truc... Oh, ta gueule. He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass. Je sais pas ce que c'est que la tête de mort et les 2D en haut à droite. Voilà, je vais y aller à l'ancienne. Hein. Sneak my way past. Putain, j'ose plus rien dire maintenant. Quelle est la pute qui s'exprime? Elle veut un coup de pompe dans sa gueule? Bon, ça va être lourd là. Oh merde! Fusil à pompe de loin, c'est pas génial. Excuse bidon! Oh ça, j'ai fait le taf, mon gars. Oh là! Oh là 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 là, le mec est bon! Bah, oh putain, faut que je me casse. L'idée aussi, c'est de se cacher. Ouh, j'ai chaud face. Bon, fais chier. Ah, voilà. Filtre Ula Minitel. Oh là 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 là. Là les mecs se cachent comme des merdes quoi. Un truc que je peux faire aussi c'est ça. Oh merde, je voulais être contraint. J'ai repris là où j'étais en train en galère. Ouais non mais en fait quand je frappe c'est beaucoup plus lent, c'est ça le problème. Ouais c'est ça, ferme ta gueule. Oh le mec est vulgaire. Je suis beaucoup plus vif. J'ai besoin de ça. Putain mais qu'est-ce qu'on est geek quand on... Quand on joue putain. Allez hop. Hop, tac, tac, tac. Ah, c'est con, il y avait ça. On va rigoler. So much lead was whizzing by my head. It was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to. Bref, putain, mais je suis concentré, du coup, je parle plus, c'est chaud. Oh dans le dos, quel traître. Oh je suis une merde. C'est monstre qui pue, qui sue, qui rue. Bah bah le mec fait de la rime. Comme le psychiatre de la rime. Tu vois normalement j'aurais pu faire ça. Mais je ne l'ai pas fait.
pompe dans ta tête, ma gueule. Et merde. Et je vais le prendre à revers. Ah non, pas loin. Maintenant. Oh, oh, oh. Le mec fait le ménage. Comme dans le cul de ta meuf, mec. Et c'est un peu Clint Eastwood, quoi. Dans le bon, la brute et le truand. Chaque fois, je fais tout péter, mais je me fais péter. Je vais finir par crever, tu sais. Tu sais, moi, depuis Doom, j'ai pas beaucoup évolué. Hein. Oh, la vache. Où sont ces tarlous? Oh putain, lui. Bon, bon. On va peut-être accélérer. Mais fallait que je monte. Ouais, 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 ouais. Moi aussi, je suis d'accord. Oh, les mecs, j'arrive. But where was the kid while you were busy getting shot at? Go ah ouais, là, c'est le bordel. Oh là là, je vais le faire allumer, mais... Why Billy sent me comme une merde, quoi. Je me concentre, mais bon, ça sert à rien. Oh, vite, QTE-S, boum. Q, boum, S, boum, Z, boum. Donc le QTE, tu sais, c'est des combinaisons de touches qu'on te propose pour flinguer un maximum de mecs. Ça marche pas mal, comme tu peux le constater. Presse E, tout swap. Bah. Putain, mais c'est nul ça! Ça c'était mauvais. Hein. Ça par contre c'était bon. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean ass shotgun. Je vais faire le tour du pâté de maison. It was me or them. And the only way forward led me straight to perdition. Jamais. But the cards were down and I had no choice but to play them. Tu peux pas trop kiffer, hein. Tu te fais direct ramener. Putain, je voulais voyager, je voulais explorer un peu le Texas. Toi même tu sais. Dirty South. Tête de mort, oh. Fouillard mort, parfumant Houston, le flot de leur peine de mort, le son de Houston. Ça, ça fait mal à sa chatte. Oh la vache. Attends, eh. Ah ça c'est con d'avoir fait maintenant. Oh. Je fais Kamehameha. Va que où ça? Il est encore là. Ah ça c'est con. Bon écoute. Oh la vache, mais... Ah oui, d'accord. Là, ça devient très chaud. Oh, putain, mais... Oh oui, d'accord. Oh là, oh là, oh là, le gars, il s'est enflammé, là. Ouh. Ça, c'était chaud patata. Tiens, rah, dans ta gueule. Tiens, toi, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai raté, hein, je sais. Le calme avant la tempête. Bon, lui me fait chier. Voilà, ça c'est fait. Ah, y a un truc que je peux faire aussi. Ouais, t'inquiète, salope. Ah, oh, dégage. Là, je me planque dans le saloon.
Donc alors, bon, bah, évidemment, il n'y a qu'une porte qui s'ouvre. Hein. Pourquoi je me plante? Évidemment, comme par hasard. Il y a des connards à la sortie? Ah non, merde. La dernière fois que j'ai fait le jeu, mais c'est con parce que genre, j'ai coupé un peu Fraps pour avancer. Et dès que je coupe Fraps, je suis bon. C'est l'effet Koopa.fr. C'est vraiment le plus gros jeu bordélique que j'ai jamais vu de ma vie. Salut tout le monde, c'est Koopa pour Koopa.fr. Et là? Voilà. Ouais. Ouais, je t'ai vu toi. Oh là 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 là, mais je fais des combinaisons. On se croirait au ski quoi. Oh bah là j'ai raté. J'aimerais bien te montrer du combat corps à corps, mais j'ai peur de me faire buter. Oh. Bon, attends, je vais aller au duel, coupe un peu Fraps. Oh putain, c'est le duel. Ouais, il se peut que je perde, hein, mais si je perds, tu ne m'en tiendras pas rigueur. Oh merde, oh, j'y ai cru, mais... Bon, on reprend. On reprend, comme dirait Tony P. Ok, je focus, t'inquiète. Non mais la dernière fois j'ai réussi du premier coup, enfin, je dis tellement ça qu'il me croira jamais. Allez, rapproche ta mimi, rapproche. Bien, Joy Jumper. Oh, le mec en plein cœur, pas à la régulière. Easy money, easy life. Money. On the rally killed, yeah, motherfuckers. Down Billy 3 months later. Bon, so voilà. His escape was all for naught anyway. Donc bah voilà, t'auras vu un petit extrait, enfin, une petite vidéo test de ce putain de game. En gros, non mais voilà, sympathique, on va dire. Et là, je exit the game. Je vais te laisser avec. De fin.